contre les courses en sac. Pour. Une justification? Pourquoi pas? Ouais, voilà. le pourquoi pas. Et vous êtes pour ou contre la tomate dans la raclette? Contre. Contre? Carrément contre. Ouais, carrément. Mais ça pourrait très bien ajouter une petite touche de fraîcheur qui va très bien avec la charcuterie. Non, pas de fraîcheur. Très, beaucoup de gras, trop de gras. La tomate à contre. Commencez pas. Il y a des gens qui mettent avec des tomates. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça, mais sans. Waouh! Encore les. C'est quoi? C'est le débat des ananas sur les pizzas, ça va? Mais avec des tomates. Ouais, mais en même temps, quand tu fais une raclette, c'est plus en hiver, c'est pas la saison des tomates. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas écolo. À dire non. Non. Non? Non. Un non catégorique? Non. Pour! 8 fois pour! C'est vrai? Oui, bah oui. Évidemment. Et pourquoi? Après, moi, je suis plus tomate cerise aussi. Il y a un débat qui doit se créer. Pour ou contre l'acrobranche? Pour. Parce que j'adore. Ouais, c'est assez sympa. C'est sympa. Mmh. Ça divertit. Pour? Ouais. Contre. Je pourrais mettre comme ça. Ah non, mais j'en ai déjà fait. C'était horrible. Sous la pluie. Pour, moi, j'ai bien aimé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'équitation? Le cheval, c'est trop génial. Moi, je préfère en steak. Ah, ça peut être un sujet fou parce que si tu montes en selle, etc., tu assujettis d'une certaine manière le cheval et là, tu rentres dans un débat assez spéciste, etc. L'Australie, vrai ou faux? Est-ce que l'Australie existe vraiment? Non, c'est faux. C'est pas là où habitent, je sais pas, les trucs mystiques, genre, je sais pas, toutes les bestioles bizarres. Je sais pas, c'est une forme de Scooby-Doo en plus, je crois, sur la carte. Quelle est la monnaie utilisée sous l'océan? Sous l'océan? Je sais pas. C'est les sous-marins. Les coquillages? Faux. Les sous-marins. Ok, elles sont toutes comme ça ou pas? Qu'est-ce que tu penses de Calogero? C'est une personne. Je sais pas, j'écoute. En vrai, j'écoute pas sa musique. C'est qui? Selon vous, les trottoirs, ils sont avec ou sans lampadaire? Ça dépend si on veut nous faire peur la nuit ou pas. Si t'es serein, ben t'as des lampadaires. Si t'es pas serein, t'en as pas. Puis ça dépend de ton taux d'alcoolémie. Soit tu te le prends, soit tu te le prends pas. Avec. Mais faut pas les allumer tout le temps, c'est pas bien. C'est pas bon pour la planète. Les lampadaires, avec ou sans lampadaire? Sans. Très bien.